tous. Mardi 30 novembre, ça y est, je prends enfin le temps d'ouvrir cette malheureusement cinquième et dernière semaine du Black November. Une semaine pendant laquelle nous devons lire des thrillers, polars, romans noirs, dont la couverture présente de la neige ou rappelle Noël, les fêtes de fin d'année, etc. Je suis triste que ce soit déjà la dernière semaine, mais du coup, ce mois de novembre est passé à une vitesse dingue. Alors, grâce au Black November, mais pas que. Je sais que c'est aussi dû au fait que j'avais mille choses à faire et forcément, les journées se suivent et défilent à une vitesse dingue. Toujours est-il donc que nous sommes arrivés à la fin du Black November et encore cette année, nous avons, on va dire, un petit peu de rap puisque cette dernière semaine va s'achever, je crois, le 3 décembre ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, je crois que ça se termine vendredi, donc c'est-à-dire le 3 décembre. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de lire pour cette dernière semaine? J'avais prévu 4 livres différents. Je pense que je vous les montrerai à un autre moment, là, ils sont restés en bas. Et j'ai du coup décidé de lire Preuve d'amour de Lizzie Gardner aux éditions Le Livre de Poche. Ce sera mon troisième Lizzie Gardner, si je ne dis pas de bêtises, et mon deuxième dans lequel apparaît le personnage récurrent de Didi Warren. Et j'ai l'impression que ce roman-ci se passe juste avant Derniers Adieux, qui était le premier Lizzie Gardner que j'avais lu. Je peux me tromper, je vais vérifier, mais on va dire que vu la situation personnelle de Didi Warren, j'ai bien l'impression que c'est le tome précédent. J'ai donc choisi celui-ci parce que, comme vous le voyez, il y a, ma foi, bien la présence de la neige sur la couverture. C'est, il me semble, le roman le plus gros en termes de nombre de pages que j'avais prévu pour cette dernière semaine. Donc bon, petit challenge personnel, surtout que je sais d'ores et déjà que la semaine va être hyper chargée. J'ai une fois de plus mille choses à faire, mais bon, je vais vraiment essayer de donner mon maximum pour arriver à le terminer cette semaine. Surtout si la semaine se termine vendredi, ça risque d'être vraiment chaud patate. Donc clairement, je suis pratiquement certaine de ne pas avoir le temps de lire deux romans malheureusement cette semaine. Mais bon, on verra bien. Sinon, de quoi il est question dans ce roman? Eh bien, au début de ce livre, Didi Warren, qui est donc une enquêtrice, va être appelée pour enquêter sur une scène de crime qui concerne une femme qui a tiré sur son mari, qui a tué son mari. Une scène qui a tout l'air d'être une scène de violence conjugale qui s'est mal passée, puisque la femme présente de nombreuses blessures, hématomes, etc. Et cette femme en question est elle-même une flic. En plus de ce crime et des potentielles violences conjugales qu'on soupçonne être derrière, il y a surtout une grosse urgence qui concerne la disparition d'une petite fille, puisque la policière a une petite fille, Sophia, qui a 6 ans, qui normalement vit avec eux, mais qui est introuvable dans la maison. Donc forcément, on lance une opération de recherche pour retrouver cette petite fille, surtout que la policière est en état de choc et que surtout elle-même ne sait pas où est sa fille, ne sait pas dire du tout où est sa fille. Donc voilà, on en est là. Pour l'instant, j'en suis à la page 136. Je rappelle, on est mardi début d'après-midi. Ça se lit bien, ça se lit plutôt bien. Ça reste du roman policier, donc on a vraiment ce rythme entre enquête, dialogue, etc. Donc c'est plutôt agréable à lire. Le personnage de Didi Warren me tape un peu sur les nerfs par certains aspects. Je trouve que j'avais vraiment pas le souvenir qu'elle était comme ça dans Derniers Adieux. Alors peut-être qu'elle s'adoucit entre guillemets par la suite. Mais je trouve que là, pour l'instant, au début de ce roman, elle a des espèces de pseudo-air de cow-boy. Elle se la joue un peu, c'est moi le patron et ferme ta bouche, quoi. Et voilà. J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ses réflexions, sa façon de parler, d'agir, etc. Mais on verra par la suite comment ça évolue. J'aime assez bien le fait qu'on ait
des alternances entre l'enquête au présent et également des flashbacks, que ce soit dans l'enfance de Tessa Leoni, qui est donc la femme qui a tiré sur son mari, mais aussi des retours dans le passé pour comprendre comment Tessa a rencontré son mari, comment voilà, leur couple a évolué, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le problème étant, j'espère me tromper, que j'en suis donc à la page 136 sur plus de 500, il me semble. Ouais, grosso modo, il fait 500 pages. Et que je pense avoir compris le pourquoi du comment. Donc bon, j'espère vraiment que je me trompe. Et puis, si c'est pas le cas, tant pis pour moi. Sur ce, donc, comme je le disais, j'ai un milliard de choses à faire cette semaine, donc là je vais me mettre à bosser, enfin plus précisément je vais d'ailleurs faire du montage pour le vlog de la semaine précédente que du coup normalement vous aurez vu parce que nous sommes mardi, la vidéo est censée sortir mercredi, c'est-à-dire donc demain, et que pour l'instant rien n'est monté. Donc, je suis légèrement à la bourre, mais bon. Comme je le disais, les journées sont un petit peu trop remplies, passent un petit peu trop vite, et bon, bah je fais au mieux, mais c'est pas toujours évident. Donc, je vais me mettre de suite. J'espère que je vais pouvoir faire ça rapidement, mais il me semble que j'ai pas mal de rush. Pour le coup, c'est un vlog qui risque d'être un peu plus long. Et puis, moi, de mon côté, je vous reprends dès que j'ai des choses à vous montrer, vous dire, un débrief de lecture à faire, ou que sais-je. Enfin, vous connaissez la chanson, quoi. Sur ce, bonne dernière semaine de Black November à tous. Et moi, de mon côté, je vais essayer de profiter à fond. Et j'ai hâte d'avoir un petit peu le débrief, le live débrief en fin de semaine, histoire de voir un petit peu comment tout le monde a vécu ce Black November. Pour ma part, ce n'est pas surprenant. Comme tous les ans, j'ai adoré le faire. Et ça m'a vraiment permis d'apporter un petit peu de à la fois de challenge et de bonheur personnel, dirons-nous, dans ce mois de novembre qui, ma foi, n'est jamais très folichon. Ne serait-ce qu'au niveau du temps, là je vous avoue que vraiment ce ciel gris ne donne pas de quoi se réjouir. Bon allez, trêve de blabla, moi je me mets au boulot et je vous reprends rapidement. Je reprends vite fait la caméra pour faire un petit point, on va dire, à mi-chemin. Nous sommes présentement le jeudi 2 décembre. Il me semble que la dernière fois que je vous ai pris, c'était il y a 2 jours. Et j'ai pu avancer dans Preuve d'amour. J'en suis très exactement à la page 378. Il ne me reste pas tant que ça à lire et je suis plutôt fière de moi. Parce que franchement, je ne pensais pas avancer du tout aussi vite. Il faut dire aussi que cette histoire m'aide aussi pour, voilà, pour bouffer un peu des pages, on va dire. Parce que franchement, pour l'instant, le suspense, ma foi, est plutôt bien mené. Je trouve que l'auteur a vraiment réussi à mettre en place pas mal de mystères, une petite tension. Alors... je crois que la dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit, à mon avis, j'ai compris le pourquoi du comment. Bon, bah, il semblerait qu'en fait, je m'étais complètement plantée. Et c'est tant mieux. J'espère juste que la résolution ne va pas être un peu bateau, un peu déjà vu. Mais ça, on verra bien. Il me reste encore une bonne centaine de pages. Ouais, c'est ça. Il me reste à peu près 150 pages. Donc, ouais, au niveau du, on va dire, du suspense, etc., c'est plutôt bien géré. Il y a eu un espèce de basculement dans l'histoire à partir de la moitié. J'avais peur que l'on tombe du coup dans quelque chose de très classique et que justement cette tension due au mystère baisse un peu en intensité, on va dire. Et finalement, là, je trouve que c'est pas mal en train de remonter. Donc non, franchement, ça se lit vraiment très bien. Je suis bien dedans. Je dois m'arrêter parce que j'ai des choses à faire, mais c'est vrai que dès que j'ai 5 minutes, j'ai vraiment envie de retourner, donc ça c'est plutôt mon signe. Le seul point positif, c'est que Didi Warren me tape toujours autant sur le système. Vraiment, je n'ai absolument pas souvenir qu'elle m'ait fait cet effet-là dans Derniers Adieux, qui est un autre roman de Lisa Gardner. Que j'ai lu, dans lequel il y avait donc Didi Warren, d'ailleurs c'est le premier que j'avais lu et le seul autre dans lequel j'avais rencontré ce personnage. Mais alors là, ouais, non, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de mal
avec que ce soit ses actions, ses remarques, enfin plein de choses. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Donc bon, on verra bien comment va se terminer le roman. Mais pour l'instant, on va dire que c'est le seul un peu point noir de ce roman, parce que bon, c'est quand même l'un de nos personnages principaux, et voilà, c'est l'enquêtrice principale et c'est le personnage récurrent. Et ouais, si c'est comme ça dans chaque roman, je risque d'avoir un peu du mal. Vraiment, son côté un peu pitbull, vous savez, là, très, très toujours agressif, très dans une attitude d'écraser un peu les autres, enfin... J'ai du mal à expliquer, mais voilà, elle est énormément dans le jugement, elle est... C'est un personnage dur, mais pas dans le sens où je l'apprécie, vous savez. On peut avoir des personnages un peu durs, je pense par exemple à Ellen Grace, le personnage récurrent d'MJ Arledge. Là, non, c'est pas ça. Autant Ellen Grace, malgré son côté un peu froid et malgré tout ce qu'elle a pu vivre, c'est un personnage que j'ai vraiment appris à profondément apprécier. Or là, pour l'instant, Didi Warren, j'ai juste envie de dire « Ma cocotte, descends de tes grands chevaux, là, et détends-toi deux secondes, tout le monde s'en portera beaucoup mieux. » Bref, tout ça pour dire que malgré ce personnage avec lequel j'ai beaucoup de mal, j'avance vraiment très bien, je suis super bien dedans, j'ai hâte d'avoir enfin le fin mot de l'histoire, donc j'espère pouvoir continuer à avancer dedans aujourd'hui. Qui sait, peut-être le terminer. Bon, ça m'étonnerait puisque j'ai quand même encore plus de 100 pages et que j'ai pas mal de choses à faire juste là après. Mais dans tous les cas, j'ai bon espoir que d'ici demain soir, il soit terminé et que je puisse du coup vous en faire un débrief complet. Sur ce, je vais donc me bouger les fesses pour aller entre autres faire 3-4 courses de Noël, parce qu'on est le 2 décembre, que je n'ai encore fait aucun cadeau de Noël, et je sais pas, hein, je l'ai dit, cette année je suis pas du tout dans le mood, donc bon, je me force un peu parce que je me dis sinon je vais me retrouver encore comme une cake à 3 jours de Noël à me dire oulala, il va vraiment falloir que je me bouge les fesses parce que j'ai rien, et du coup je vais devoir affronter la foule dans les magasins, et c'est vraiment quelque chose que je préférerais éviter. Je vais aller faire 3-4 courses de Noël, récupérer des commandes, des choses comme ça, enfin bref, que de choses pas extrêmement réjouissantes, mais bon, que l'on est un petit peu tous obligés de faire dans notre quotidien, c'est comme ça. Et puis du coup je vous reprendrai soit ce soir, soit demain, je l'espère, pour le débrief complet de ce roman qui sera terminé. On y croit, et du coup peut-être que j'aurai le temps d'en attaquer un autre avant la fin de ce vlog. Je l'espère, en tout cas, voilà, je croise les doigts, je vais essayer au maximum de me dégager du temps pour bouquiner. Et puis sinon, on est comment niveau chaussettes aujourd'hui? Eh bien, niveau chaussettes, nous sommes toujours de saison, hein, voilà. Là, pour le coup, je pense que mes pieds sont bien la seule partie de mon corps qui est dans le mood noëlesque. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes sur un motif petit renne à pompons sur le nez. J'aime beaucoup trop. Je sais plus, Rudolph. Enfin bref, je pense que vous voyez l'histoire de ce petit renne du Père Noël avec son nez lumineux. Le reste de la tenue n'est pas du tout noëlesque, mais voilà, c'est ma petite touche fantaisie du jour, dirons-nous. Ah, puis on n'est pas sur la chaussette pilou, mais vu l'épaisseur, je peux vous assurer que mes pieds sont bien au chaud et bien heureux. Sur ce, je m'en vais donc jouer les lutins de Père Noël et je vous dis à très vite. Dimanche 5 novembre, je reprends la caméra pour faire un petit point avancement lecture et aussi un petit point je suis un grand boulet. Je vous explique pourquoi. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que vendredi, j'ai pu donc terminer Preuve d'amour de Lisa Gardner. Bien sûr, je vais vous dire juste après ce que j'en ai pensé, mais je me suis rendu compte, en fait je savais que ce roman faisait partie du coup de la saga Didi Warren, et je voulais voir à quel tome de cette saga il correspondait. D'ailleurs je crois que c'est le tome 4 ou 5, je ne sais même plus, j'ai déjà oublié. Bref, toujours est-il que du coup je regardais un petit peu les autres titres de la saga, et là j'ai tilté un truc. Depuis le début de ce vlog lecture, je vous screen en vous disant j'ai du mal avec Didi Warren. C'est fou, hein, parce que ça ne m'avait pas fait cet effet-là lorsque j'avais lu Derniers Adieux.
Oui, bah c'est tout à fait normal puisqu'en fait je me suis rendu compte que dans Derniers Adieux, ce n'est pas Didi Warren. Voilà, c'est un autre personnage. Ce qui explique du coup que forcément hein, j'avais pas eu ce ressenti en lisant Derniers Adieux, puisqu'elle n'était pas dedans. Comment passer pour une idiote en 2 secondes? Bref, toujours est-il que si vous vous souvenez un petit peu lorsque j'avais fait ma pile à lire du Black November, j'avais dit que je m'attendais vraiment à lire un face-à-face entre deux femmes parce que c'est ce que laissait supposer la quatrième de couverture. Et je dois reconnaître que de ce point de vue-là, dans l'ensemble, je n'ai vraiment pas été déçue. C'est donc, contrairement à ce que je croyais, le tout premier tome que je lisais avec le personnage de Didi Warren. Je dois reconnaître que ça ne m'a pas gênée durant ma lecture de ne pas commencer par le premier tome de la saga. Par contre, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai franchement eu du mal avec le personnage principal. Malgré ce petit problème d'entente, dirons-nous, entre Didi Warren et moi, je dois reconnaître que dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec ce roman qui, pour le coup, a été, je dirais, pour le moins plutôt haletant et assez bien mené. Si, comme je disais, certaines choses m'ont un petit peu dérangé, je dois reconnaître que malgré tout, Lisa Garner a très bien su construire son histoire pour ménager le plus longtemps possible le suspense et le mystère. D'ailleurs, j'ai vraiment eu ce sentiment que pendant toute la première moitié du roman, je me faisais complètement mener par le bout du nez. Alors, pas complètement parce que j'avais deviner certaines petites choses, mais malgré tout, elle a réussi à rester assez vague et assez ambivalente sur certains éléments pour me donner envie de me triturer les méninges et du coup de continuer encore et encore ma lecture pour avoir les réponses que j'attendais, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ce type de roman. Et puis, dans la seconde moitié de l'histoire, on bascule, j'irais, dans une autre dynamique, dans une autre logique et dans une histoire qui finalement relève presque plus de la course-poursuite. Et même si j'ai personnellement préféré la première moitié parce que je l'ai trouvée plus intéressante, que ce soit par les thématiques ou par la construction même de l'histoire, je dois reconnaître que dans l'ensemble, j'ai aimé tout le roman. Pour moi, on est typiquement ici dans ce que j'appelle du thriller page-turner dont on a du mal à décrocher. Et si je n'ai pas toujours complètement adhéré à la plume de Lisa Garner parce que parfois pour moi c'était un petit peu trop hachuré, un petit peu trop langage parlé, je reconnais que malgré tout, sa plume est très cinématographique. Et du coup, à la lecture, c'est agréable parce qu'on a vraiment l'impression de suivre un film d'action où tout s'enchaîne et où il est très facile de visualiser finalement les différentes scènes qui se succèdent. Par contre, j'ai eu un gros problème à la lecture avec, je pense, la traduction. Pour moi, il y avait vraiment un souci. Dans l'ensemble, je trouvais que les phrases manquaient de fluidité. Il y avait d'ailleurs parfois des morceaux de phrases qui n'avaient carrément pas de sens. Il y avait de grosses erreurs de syntaxe, parfois même de grammaire. Il y avait à de nombreuses reprises, par exemple, où c'était écrit dans le bureau de Hamilton ou la maison de Hamilton au lieu d'Hamilton, vous voyez, des apostrophes Hamilton, que des choses comme ça qui me donnaient en fait l'impression d'une traduction un peu scolaire, vous voyez, un peu bâclée dans le sens où parfois j'avais presque l'impression qu'on avait pris le texte originel, qu'on l'avait copier-coller dans un traducteur type Google Translate et que du coup on avait certes une traduction qui tenait la route mais qui n'était pas naturelle, qui n'était pas fluide, qui je sais pas, par moments on avait l'impression ouais, que le traducteur ou la traductrice, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, c'est une femme, Cécile Deniard, désolée Madame Deniard si vous passez sur cette vidéo, ce qui m'étonnerait très très fort. Mais voilà, perso, ouais, la traduction m'a par moments un peu posé problème durant ma lecture. J'ai par contre vraiment apprécié que parfois, durant l'histoire, l'auteur nous donne des détails sur les étapes et les méthodes d'investigation et d'intervention. J'ai aimé qu'elle prenne le temps de donner par moments ces petits détails un petit peu technique parce que je trouvais que ça permettait un petit peu de crédibiliser son histoire parce que bon,
Si on reste terre à terre, il faut reconnaître que tout dans cette histoire et dans ce roman n'est pas complètement réaliste. Même si les personnages principaux sont des flics, bon, il y a des choses, parfois on se dit, ouais, là on est quand même à la limite de la Wonder Woman. Mais bon, ça passe. Franchement, j'ai vu pire, c'est juste qu'on n'est pas dans l'ultra-réalisme. Et du coup, le fait de ramener un petit peu ces détails techniques, je trouvais que ça permettait du coup de réancrer un petit peu cette histoire dans quelque chose de réel et de plausible. Côté personnage, comme je l'ai dit plus d'une fois, je n'ai pas vraiment apprécié le personnage principal de Didi Warren, que j'ai trouvé trop dans l'agressivité, trop sûre d'elle, le genre à ne jamais se remettre en question quoi qu'il arrive et à toujours se comporter un petit peu comme un pitbull avec tout le monde. D'ailleurs, cette expression est extrêmement cliché et pas très sympa pour les pitbulls, parce que les pitbulls en soi n'ont absolument rien de méchant ni d'agressif. J'en ai connu qui étaient des amours complets, mais bon, je pense que l'expression sera parlante et vous permettra un petit peu d'imaginer l'attitude de ce personnage envers les autres. Le problème pour moi de Didi Warren, c'est que c'était un personnage tellement froid et presque inhumain, presque robotique, que par conséquent, j'ai pas réussi à développer d'empathie pour elle. A contrario, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup plus apprécié d'ailleurs, son collègue qui s'appelle Bobby, qui de ce que j'ai compris est également son ex-petite amie, et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Tessa. Et une fois de plus, je dois gérer la luminosité, parce qu'aujourd'hui le soleil est au rendez-vous, mais comme il est en train de se coucher, de se refléter sur ma terrasse qui est complètement humide et inondée, bah voilà, ça donne des trucs pas faciles à gérer. D'ailleurs, je viens de regarder le reflet de la lumière, et là je suis complètement aveuglée, je ne vois plus rien. Vous me direz, j'ai pas besoin de voir de toute façon pour vous parler bouquin, mais c'est assez perturbant. Soit, il faut que j'arrête de me laisser distraire et que je termine mon avis sur ce bouquin, ce serait pas mal. Je disais donc que j'ai beaucoup aimé le personnage de Tessa, qui pourtant est un personnage qui, par certains aspects, est finalement assez souvent présentée comme un personnage assez proche de Didi Warren, parce que elle aussi est une femme flic qui ne dévie jamais quand elle a quelque chose en tête, une sorte de forte tête qui peut parfois se montrer très froide, qui dans son travail agit parfois de façon presque chirurgicale, et pourtant, au contraire de Didi Warren, dès le début, je lui ai trouvé des côtés profondément humains. Parce qu'avec elle, finalement, rien n'est tout blanc ou tout noir. C'est un personnage que j'ai trouvé hyper complexe et malgré tout franchement attachant. Je n'en peux plus de cette luminosité. Je crois que ça va être catastrophique à gérer au montage. La fin a réussi à me surprendre, bien que j'avais deviné certains éléments, certains petits twists, dirons-nous. Je dois reconnaître que dans l'ensemble, l'auteur a réussi à me berner et franchement, j'ai adoré ça. Par contre, ne vous attendez vraiment pas à lire un roman avec beaucoup de profondeur. J'ai trouvé que la thématique des liens familiaux et de la maternité était juste là, je dirais, en filigrane, histoire de donner un petit peu de corps à ce roman. Mais pour moi, c'est vraiment pas pour ça qu'il faut lire ce livre. Ce livre doit être pris pour ce qu'il est, à savoir un roman policier bien rythmé, au suspense rondement mené, une sorte de course-poursuite haletante avec une fin sympathique. Alors oui, c'est clair que ce n'est peut-être pas un roman qui va me marquer longtemps. D'ailleurs, j'en doute effectivement qu'il me marque vraiment à l'avenir, dans l'avenir plutôt, mais en attendant, sur le moment, sincèrement, je trouve qu'il a fait le job. J'ai eu du plaisir à le lire, j'ai passé un bon moment de lecture et en plus de ça, il m'a donné envie de continuer ma découverte de la saga, en espérant juste que dans les autres tomes, le personnage de Didi Warren me tape un petit peu moins sur les nerfs. Ce serait chouette, parce que bon, même si ses collègues et si les autres personnages rattrapent parfois un petit peu le niveau, si je me retrouve avec un tome qui est vraiment centré sur elle et qu'elle a toujours cette attitude, je risque d'avoir un petit peu du mal pour le coup. Avec cette lecture, j'ai donc validé ma cinquième semaine du Black November, et étant donné que j'ai terminé ce livre vendredi et que la Queen Sève a donné l'autorisation de poursuivre le Black November jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, je me suis donc lancée dans la lecture d'un autre roman
Autre roman qui n'était pas du tout un roman que j'avais prévu pour cette semaine, parce que pour cette semaine, j'avais prévu Boréal de Songe à Delsongle. Je regarde là-bas parce que ma petite pile à lire du Black November est juste là-bas. Et j'avais prévu aussi Purge de Sophie Oksanen, qui me tentait beaucoup, mais en lisant les commentaires de certains d'entre vous sur ce roman, je me suis rendu compte que c'était pas un thriller, mais que c'était vraiment un roman contemporain. Désolée, j'ai dû couper 2 minutes. Je disais donc avant cette petite intermède que j'avais donc prévu certains autres romans pour cette cinquième semaine. J'avais aussi prévu Aurore boréale d'Asa Larsson. Voilà, ça c'était vraiment les trois romans que j'avais sortis. Et finalement, je me suis tournée sur un tout autre roman que j'avais prévu dans ma pile à lire, mais pour une toute autre catégorie. Je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Ah oui, la semaine où il fallait lire un thriller avec dans le titre un chiffre, une date, un mois, etc. Et donc pour ça, je me suis lancée dans Six fourmis blanches de Sandrine Collette aux éditions Le Livre de Poche. Parce que ce roman convenait aussi du coup pour cette semaine, étant donné qu'il y a, comme vous le voyez, une montagne et donc de la neige sur la couverture. Je l'ai choisi parce qu'il me tentait beaucoup suite au retour de l'une d'entre vous à propos de ce roman, et aussi parce qu'il est assez court, il fait tout juste 300 pages. Donc je me suis dit en deux jours et demi, c'est jouable, et effectivement nous sommes dimanche et j'en suis pratiquement pile à la moitié. J'ai donc bon espoir d'arriver à le terminer aujourd'hui, et dans le pire des cas, si je le termine très tard ce soir, je vous en parlerai demain. Au niveau de l'histoire, on va vraiment suivre deux histoires en parallèle. D'un côté, on suit un homme qui a à peu près une trentaine d'années, qui est une sorte de chaman rebouteux, on sait pas trop, un personnage un petit peu mystique entre guillemets, même si lui dit qu'il n'a absolument pas de pouvoir. Ça se passe dans les montagnes, je crois en Albanie, et donc c'est un homme que l'on appelle pour éloigner un peu les mauvais esprits durant les fêtes de famille, les mariages, lorsque l'on a une personne âgée, malade, etc. Et donc cet homme a pour mission à chaque fois de choisir une chèvre dans le cheptel de la famille qu'il appelle, une chèvre qui est censée un petit peu condenser, je dirais, tout le mal qui pourrait arriver à cette famille, et il doit l'emmener en haut d'une montagne et la jeter du haut de cette montagne. Oui, c'est très très bizarre, je ne sais pas si c'est une vraie croyance albanaise, je vous avoue que je ne me suis pas encore renseignée sur la question. Mais donc voilà, d'un côté on suit cet homme-là, et de l'autre on suit une expédition de 6 randonneurs avec leur guide qui partent pour une randonnée en haute montagne. Et forcément, on s'en doute, les choses ne vont pas très très bien se passer. J'en suis donc à la moitié. J'aime plutôt bien le style d'écriture de Sandrine Collette. Je l'avais déjà lu dans des nœuds d'acier et dans un autre roman avec le mot vague. J'ai complètement oublié le titre, mais je l'ai déjà lu 2 fois. C'est une auteure qui ne m'a jamais procuré de claque, mais qui, ma foi, passe plus ou bien, ou en tout cas, qui a le mérite de proposer, je trouve, des histoires assez originales et qui sortent un peu des sentiers battus. Donc je vais poursuivre. Pour l'instant, voilà, je suis pas complètement embarquée. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans un page-turner, mais malgré tout, j'avance plutôt bien et je suis plutôt intriguée par le déroulé de l'histoire. Donc voilà, j'espère pouvoir me dégager du temps pour le terminer aujourd'hui, et comme je le disais, dans tous les cas, je viendrai vous donner mon avis final, que ce soit aujourd'hui ou demain, et en même temps, ben, forcément, clôturer ce dernier vlog du Black November.
Il est venu pour moi le temps de clôturer ce dernier vlog du Black November, parce que oui, nous sommes lundi et ça y est, le Black November est officiellement terminé. Mais ma bonne nouvelle et petite fierté personnelle, c'est que j'ai réussi hier à terminer Six fourmis blanches de Sandrine Collette, ce qui fait donc 2 livres lus pour cette dernière consigne. Et franchement, comme je vous l'avais dit, je crois, au début de ce vlog, sincèrement, j'y croyais pas des masses. Alors avant de faire un petit récap de mes lectures, des différentes nationalités que j'ai fait rentrer dans mon challenge, etc., je vais bien sûr du coup vous faire un petit débrief de cette lecture. Il me semble que je vous avais dit que ça démarrait plutôt pas mal dans l'ensemble. Ce roman est donc le 3e livre que je lisais de Sandrine Collette et j'ai l'impression que cette femme aime particulièrement voir les êtres humains confrontés à la puissance de la nature, mais aussi, et presque surtout j'ai envie de dire, au danger et au mal que peuvent représenter les autres êtres humains. En effet, c'est deux thématiques que j'avais rencontrées particulièrement dans son autre roman juste après La Vague, et c'est encore ce que j'ai retrouvé ici. Je crois que j'ai particulièrement aimé la construction de ce roman, le fait d'avoir vraiment ces deux histoires en parallèle dont on n'arrive pas vraiment à définir le point commun, si ce n'est finalement la montagne, jusqu'au moment fatidique où finalement tout se rejoint et où l'histoire prend une toute autre tournure. J'ai aussi plutôt aimé l'ambiance, je dirais, générale de ce roman, avec ce froid, ces montagnes et ces petits villages montagnards un peu paumés et tout ce qu'ils peuvent avoir finalement de croyances et de rituels à perpétuer. J'aimais aussi tout le côté mystique et mystérieux qui émane du personnage de Mathias, même si je dois reconnaître que d'imaginer un homme jetant une chèvre vivante du haut d'une montagne avait tendance à me soulever un petit peu le cœur. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui concernait finalement le dépassement de soi, ce moment où vraiment l'instinct prend le dessus et où la raison est mise en berne. Mais je reconnais qu'il m'aura manqué peut-être quelques petites choses pour que cette lecture passe d'une bonne lecture à vraiment une très bonne lecture qui m'aurait marqué durablement. Tout d'abord, j'aurais apprécié que les personnages soient plus creusés, plus complexes, parce que pour moi, ils sont vraiment une part extrêmement importante de cette histoire. Or, j'ai trouvé que dans l'ensemble, il manquait un peu de corps. Je dirais qu'en soi, l'histoire en elle-même de ce roman est assez simple, ou en tout cas il ne se passe pas 1000 choses dans cette histoire, ce qui fait que du coup le lecteur a tendance, je dirais, à reporter son intérêt finalement sur les personnages pour avoir envie de continuer cette lecture, et par conséquent je trouve que de ce point de vue là l'auteur aurait pu vraiment aller plus loin dans la construction de ses personnages. D'ailleurs, dans ce sens, j'ai trouvé que le personnage de Mathias était beaucoup plus intéressant que ceux de Lou et d'Elias, parce que ce personnage-là est à mon goût beaucoup plus creusé justement, alors que les autres sont vraiment trop survolés pour moi. En plus de ça, j'ai quand même noté que le personnage de Lou, à plusieurs reprises, a tenu des propos et des réflexions assez désobligeantes, dirons-nous, envers l'Albanie, le pays où se passe cette histoire, je ne sais plus si je l'ai précisé, envers aussi les SDF ou encore envers les personnes en surpoids, ce qui en a fait à mes yeux le parfait stéréotype de la citadine, pour ne pas dire la parisienne, pas franchement très sympathique. Du coup, qu'importe ce qui pouvait lui arriver, je n'avais aucune empathie pour elle et franchement, je me fichais un peu de son sort, même beaucoup. En fait, de façon générale, je crois que c'est un petit peu ça qui m'a manqué ici, c'est de l'empathie et par conséquent, je dirais peut-être un peu plus d'implication émotionnelle de ma part dans cette lecture. Or, l'auteur ne m'a pas assez donné d'éléments pour que justement j'ai envie de m'impliquer émotionnellement. Et pourtant, hein, vu l'ambiance, vu les thématiques, etc., il y avait vraiment moyen de créer beaucoup d'émotions, beaucoup de remous, dirons-nous. Et bon, ça n'a pas forcément été le cas et je crois que c'est vraiment ça qui m'aura manqué. Malgré tout, je reste sur l'idée que c'est un roman intéressant, juste qu'il comporte certains points qui auraient peut-être mérité d'être encore un peu plus exploités. Par contre, j'ai
adoré la fin. Vraiment, cette fin comporte une scène extrêmement cinématographique, j'ai trouvé, qui propose une sorte d'apothéose et qui, pour le coup, m'a franchement fait retenir mon souffle. C'est donc pour moi un court roman entre thriller et roman contemporain qui embarque le lecteur dans des récifs montagneux avec tout ce qu'ils peuvent avoir de splendide et de dangereux à la fois, et qui fait également découvrir un petit peu les croyances et les traditions albanaises. D'ailleurs, il faut que je me renseigne afin de savoir si cette histoire de lancer de chèvres dans la montagne est quelque chose de véridique ou non. Mais je sais pas, je trouverais ça bizarre que l'auteur ait intégré ça à son histoire si ce n'était pas vrai. Après, on reste dans la fiction, donc tout est possible. Donc, note pour moi-même, me renseigner sur le sujet. Ce serait pas mal. D'ailleurs, si jamais l'un ou l'une d'entre vous a la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait gagner du temps. Et je vous avoue qu'en ce moment, tout gain de temps est bon à prendre pour ma part. Ce fut donc une lecture plutôt sympa, assez originale, il faut le reconnaître, mais dans laquelle il m'aura peut-être manqué un peu d'épaisseur et qui, je pense, ne saura pas me marquer durablement dans ma vie de lectrice. En attendant, voilà, pour moi, ce n'est pas du tout un raté. Loin de là, c'était sympa à lire. Il y avait des points très intéressants. Mais vous l'aurez compris, c'est pas non plus une lecture waouh que je recommanderais à tous. Néanmoins, si vous aimez vraiment ces ambiances glacées, de montagne, de dépassement de soi, je pense vraiment que pour le coup ça peut vous plaire. C'est donc l'heure du bilan. Pour ma part, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai donc lu 7 romans durant le Black November, donc durant un peu plus d'un mois, ce qui est un score extrêmement faible, j'ai envie de dire, pour ma part. Mais bon, étant donné un petit peu tout ce qui a pu se passer au mois de novembre, et étant donné aussi le fait que désormais j'ai un enfant en bas âge qui prend pas mal de temps, je me dis que c'est pas si mal que ça. C'est sûr qu'avant, lorsque je n'étais pas maman, je lisais beaucoup plus, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et je fais avec et j'en suis très heureuse. Donc je me dis que 7 romans, c'est déjà pas si mal. Alors si on fait un petit peu les comptes, j'ai donc lu un roman d'un auteur français, puisque j'ai lu Comédia. J'ai lu un roman d'un auteur québécois en lisant Les 7 jours du Talion. Enfin québécois, non, sa nationalité c'est canadienne. Mais vous aurez donc compris. J'ai de nouveau lu une auteure française avec Prendre Gloria de Marie Nosser, donc pour le coup, pas de nationalité en plus. J'ai lu par contre une auteure espagnole avec Le gardien invisible de Dolores Redondo. Puis un auteur islandais, puisque j'ai lu aussi La femme de l'ombre d'Arnaldur Indridason. Et enfin, durant cette dernière semaine, j'ai donc lu encore une autrice française, hein, si je dis pas de bêtises, Sandrine Collette est française, et également une auteure américaine, puisque Lisa Gardner est américaine. Je suis donc à 5 nationalités sur 7 bouquins et sur un mois, je trouve ça pas si mal du tout. Voilà, donc vous l'aurez compris, personnellement je suis plutôt ravie de mon Black November 2021. Une fois de plus, j'ai vraiment adoré faire ce challenge, c'est vraiment, décidément, le challenge qui me correspond le plus, que j'aime vraiment faire chaque année. Voilà, c'est même si on est sur du challenge, à aucun moment j'ai un côté, je ressens un côté un peu pénible entre guillemets, ou un côté où je me force. Non, c'est vraiment un challenge que j'adore faire, que je trouve extrêmement bien animé par Séverine. Donc une fois de plus, merci Séverine d'organiser tous les ans ce challenge que j'aime vraiment beaucoup, 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 et qui, je l'espère, durera encore très longtemps. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a une alarme qui s'est mise en route dans le voisinage. Et comme je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, bah je vais continuer. Hein. Tant pis, on fera avec, j'espère juste que ça ne s'entendra pas trop. J'ai donc été très heureuse de faire ces vlogs lectures durant tout le mois, même si je vous avoue que ça va être aussi un petit peu de repos entre guillemets pour moi, de reprendre les vidéos plus traditionnelles face caméra, parce que mine de, les vlogs au quotidien, bah c'est quand même du taf. Et ouais, sur tout un mois, c'était très sympa à faire, mais un peu fatigant et pas toujours évident, je dirais, à caser dans l'emploi du temps. Mais bon, en tout cas, j'espère néanmoins que ce mois de vlog vous aura donc plu. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire votre petit
bilan personnel, voilà, ce que vous avez pu lire, si vous avez eu des coups de cœur, si au contraire vous avez eu d'énormes déceptions aussi, hein, parce que je suis aussi preneuse hein, des recommandations au niveau des livres à ne pas forcément lire. Ça peut être aussi très utile. De mon côté, donc, vous l'aurez compris, je vous retrouve prochainement sur la chaîne pour un point lecture. Voilà, une vidéo pour le coup extrêmement traditionnelle, mais qui reste pour moi de toute façon le cœur de cette chaîne. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et n'oubliez pas, si vous aimez le contenu de la chaîne et que vous souhaitez soutenir la chaîne et donc me soutenir dans ce que je vous propose, vous pouvez laisser des petits pouces levés, des commentaires et pourquoi pas partager la vidéo et la chaîne si le cœur vous en dit. Sur ce, bien sûr, afin de nous quitter comme il se doit, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous dis à très bientôt. Bye !